Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui, on va parler d'une application du nom de Heise, une application qui va vous aider à faire pas mal de choses ultra rapidement. Cette application est entièrement compatible iOS et vous allez voir que au jour le jour, elle va vous donner grande satisfaction. Cette application du nom de Heise, vous pouvez donc la télécharger sur l'App Store. Entièrement compatible iOS et vous allez voir que vous allez pouvoir faire de la réalité augmentée, découvrir des choses tout autour de vous, faire de la reconnaissance de texte ultra rapidement, c'est assez impressionnant, et ceci sur n'importe quel document, même sur vos écrans, il n'y a aucun problème les amis. Vous me direz d'ailleurs si vous la testez déjà cette application, et surtout les amis, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. Lorsque Vision Hightech sort une vidéo, c'est gratuit, ça encourage et ça permet de référencer un peu plus la chaîne sur YouTube. Je compte sur vous. N'hésitez pas non plus de mettre un petit j'aime, un partage. Ça aussi, ça fait plaisir et ça permet de référencer la chaîne Vision Hightech pour que l'on puisse aller encore plus loin tous ensemble. Bienvenue sur Vision Hightech. Et on va tout de suite passer à la démonstration de Heise. L'application s'écrit A majuscule tiré E majuscule Y E A tiré E Y E. Allez, je vous montre comment ça fonctionne. Une application réalité augmentée, description de scène, détection d'obstacles, mode OCR, détection de texte, localisation. C'est vraiment extraordinaire. Pour 0€, vous avez une application qui va vraiment vous aider au jour le jour. Allez, je compte sur vos abonnements. C'est parti les amis. Voilà donc, vous allez vous diriger sur l'App Store et vous allez télécharger l'application ici que je vous mets en très gros. Et on va écouter qu'est-ce que cette application va pouvoir vous apporter au quotidien. Description de l'environnement. Catégorie, illustration, utilitaire. Développeur, illustration, Elliot Morgan. Langue, FR, plus un autre, S, bouton. Côté langue, c'est compatible avec le français et l'anglais. Version 2.0, il y a 7 mois, prise en charge complète de VoiceOver. On a une prise en charge complète de VoiceOver. iPhone, bouton. AI utilise le machine learning combiné à la réalité augmentée pour fournir une description vocale de l'environnement aux personnes aveugles et malvoyantes. AI permet aux personnes aveugles et malvoyantes de puissent obtenir une description vocale de leur environnement, puissent lire des textes, puissent obtenir le remplacement géographique, puissent évaluer la distance aux objets à l'aide de la fonction radar. L'intensité des vibrations du radar indique la distance aux objets. Interface tactile intuitive. Puisse un clic sur l'écran pour obtenir la description de l'environnement, puisse balayer vers la droite pour lire un texte, puisse balayer vers la gauche pour obtenir l'emplacement géographique, puisse faire glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour régler la vitesse d'élocution, puisse appuyer long pour activer barre oblique désactiver le radar. Voilà, donc comme vous venez d'entendre, c'est une application entièrement compatible aux personnes malvoyantes et aveugles pour découvrir son environnement, le texte, etc. On va tout de suite lancer l'application. Ouvrir. Bouton. Ouvrir. Analyser l'environnement. AI. Action et localisation. En tête. Action. Action et localisation. En tête. Alors, attention par rapport à l'application. Si vous désirez que la localisation soit active, il faudra donc activer la localisation à partir de réglages, à partir de l'application, et toujours autorisé. Voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir être localisé sur un point bien déterminé. Analyser l'environnement, bouton. Alors, on a un bouton analyser l'environnement, et ça va très vite. Dès que vous lancez, mettez votre document devant vous, ça met une milliseconde pour prendre en photo un texte de malade. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Juste dessous. Radar, bouton, désactivé. Donc radar, vous allez pouvoir activer le système de radar pour faire de la détection face à vous lorsque vous êtes dans un endroit inconnu, tel par exemple un CHU, tel un endroit où vous n'avez pas l'habitude de circuler. Grâce au mode radar, vous allez pouvoir découvrir une pièce et les ouvertures. Ce qui veut dire que en mettant l'iPhone devant vous, vous allez pouvoir découvrir donc et éviter les obstacles dans un endroit très peu connu. Localisation en tête, lieu inconnu. Vous aurez la localisation du lieu et de la route où vous vous trouvez. Ici, je les ai activés, bien sûr, pour éviter que on puisse voir où est-ce que je me trouve. Donc, on va lancer tout de suite le mode analyser l'environnement. Analyser l'environnement. Je vais mettre une feuille devant moi et vous allez voir, attention, ça va ultra vite. Donc, je mets ce document devant moi. Je mets l'iPhone devant
et je clique sur Description de l'image en tête. C'est assez, voire super impressionnant. Donc, regardez à la vitesse qu'il a numérisé, j'ai tout simplement cliqué sur le bouton et il a pris en photo instantanément et le texte a été reconnu. C'est vraiment monstrueux. On va écouter ça tout de suite. Résultat de l'analyse. En tête. Description de l'image. En tête. Menu. Taux de confiance. 38%. On est sur un taux de confiance de 38%. Texte détecté. En tête. Et on va tout de suite se positionner sur le texte détecté. C'est parti. Date. Nom. Pronom. Classe. Suites arithmétiques séquence 1. Calcul des termes d'une suite arithmétique activite activite 1. Un peu de logique question. Analyser barre oblique raisonner puisse trouver la valeur de la carte manquante question. Analyser barre oblique raisonner puisse compléter les deux séries suivantes. 12, 9, 11, 8, 17, 9, 5 points. 5 points, cosin 4, 9, 16, point dessus. Alors, au niveau gestuel, ça marche vraiment super bien. Tout simplement, on fait le geste. Je vais me positionner sur un site web et vous allez voir, c'est très rapide. Ici, je me suis positionné sur un site web sur mon ordinateur et vous allez voir que la reconnaissance, même sur un écran, c'est-à-dire que sur une télévision, sur n'importe quel support, avec cette application entièrement gratuite iOS, vous allez pouvoir faire de la numérisation de texte. C'est parti. Action. Analyser l'environnement. Je me positionne sur analyser l'environnement, je clique et regardez, écoutez cette vitesse, c'est impressionnant. Objet détecté. En tête. Je n'ai pas le temps. En fait, ça numérise ultra rapidement. C'est un truc de fou. Regardez, écoutez ça. Un ordinateur portable. Texte détecté. En tête. Signé fenêtre aide 00 Amazon. FR 0 plus 88 instantané avenue 112 détails plus étoile 81 nœud langue ligne verticale scanner livraison accélérée. Mardi octobre. Texte au speech avec commandé dans les 12 TOCR barre oblique Bluetooth barre oblique Wi-Fi. Main détail style lecteur pour copyright entrée votre adresse réunion, voyage, en stock, shopping, quantité, apprentissage ajouté au panier marque, Vormorton plus 5 évaluation acheter cet article prix, 199 euros transaction sécurisée tous les prix inclus la TVA. Coupon utiliser le coupon de expédié par Amazon 25. Voilà donc c'est ultra rapide, c'est entièrement gratuit, cette application E. A majuscule tiré ICE, E majuscule YE, pourra donc vous aider à vous guider, à vous localiser, à lire du texte, votre courrier, tout ce qui se trouve sur des supports, même vidéo. C'est vraiment ultra génial. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle application, si vous l'utilisez déjà. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision High Tech. N'hésitez pas donc à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo pour continuer à référencer la chaîne sur YouTube. Et à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous. Bien sûr, salut à tous!